Étranger, le corps du programmeur américain enlevé, Bruce Morgenholt, a été retrouvé quelque part au Pérou ce matin. De sources officielles, son enlèvement impliquerait un certain Hugo Lacerda, leader présumé de la Voix du Peuple, groupe révolutionnaire nouvellement créé. Vous voyez ici l'USS Clarence E. Walsh en route pour son baptême du feu vers la mer Jaune, où les tensions ne font que croître. Le secrétaire à la défense Mason l'a surnommé fer de lance de la flotte du 21e siècle et a réaffirmé le soutien des États-Unis à nos alliés japonais. Nous espérons que la présence du Walsh, premier navire équipé pour la guerre de l'information, permettra d'apaiser les tensions de la région. Les renseignements que vous avez récupérés au Pérou laissent présager qu'Hugo Lacerda aurait été engagé par un tiers afin d'enlever et d'interroger Morgenholt. Il a été payé en armes. Qu'il a utilisé pour équiper ses hommes et rembourser ses dettes auprès d'autres groupes de guerrilleros. Ça a l'air d'être un perdant né. Mais impossible d'avoir la certitude que Morgenholt ne lui a pas révélé des choses qu'il ne doit surtout pas répéter. Heureusement, le Martien Narcissa se trouve en haute mer, et il ne nous échappera pas. Montez à bord du navire, découvrez avec qui Lacerda est en cheville, et éliminez-le. Morgenholt connaissait les noyaux de masse, algorithme de calcul pour système d'armes aussi important que la contribution d'Oppenheimer sur l'atome, ou celle de Turing sur les ordinateurs numériques. Le projet Watson, dans le cadre duquel les États-Unis effectuent des recherches sur les noyaux de masse, entrera dans l'histoire au même titre que le projet Manhattan, c'est-à-dire en tant que révolution fondamentale dans la nature de la guerre. Imagine ce qui se serait passé si Che Guevara avait capturé et interrogé Oppenheimer en 1959, et tu auras une bonne idée de la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'hélicoptère va te larguer à une quarantaine de kilomètres devant le Maria Narcissa. Monte à son bord sans te faire repérer, puis fouille-le de fond en comble. Apprends-en autant que possible sur les livraisons d'armes et les alliés de Lacerda. L'imagerie satellite nous a permis de déterminer que le Maria Narcissa était doté d'une petite chaloupe à l'arrière. Ce sera ton moyen d'extraction. En cas de problème, saute à l'eau et nous te repêcherons. L'USS Walsh restera à tout moment à portée d'hélicoptère du Martien Narcissa. En cas d'ennui, il devrait pouvoir participer à l'extraction. Si tout va bien, nous vous récupérerons dans la chaloupe dès que vous serez hors de vue du bateau. Les renseignements que vous avez récupérés au Pérou laissent présager qu'Hugo Lacerda aurait été engagé par un tiers afin d'enlever et d'interroger Morgenholt. Nous venons d'obtenir le rapport des travaux réalisés sur le Maria Narcissa quand il était en cale sèche. Un système d'alarme flambant neuf. Laissez-moi deviner. S'il sonne trois fois, je suis éliminé. Bien sûr que non, Fisher. Ce n'est pas un jeu vidéo. Mais faites attention si vous ne voulez pas alerter tout le monde.
Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'en ai ma claque de cet abruti de la Serda. N'en parle pas. Quel crétin. On devrait le tuer et le balancer par-dessus bord. Je sais bien. C'est dit qu'il le protège. C'est vrai. Ils ont l'air dangereux, hein? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? C'est leur système d'alerte, Fisher. Prenez garde. On dirait que la Serda fait profiter de ses armes à ses petits copains, en s'en servant pour payer les dettes qu'il avait contractées auprès d'eux, Fisher. Tu veux que je scanne d'autres caisses, c'est ça? Mieux encore. Place des mouchards dessus. De cette façon, on saura chez qui elles finissent. D'accord.
Beau travail, Fisher. C'était la première caisse. Cherche les autres. Très bien. Un message radio en provenance du Maria Narcissa à Fisher. Il parle d'une fuite et demande une escorte. Le bateau est en train de couler? Non, mais plusieurs compartiments auraient été inondés. Il va te falloir allumer la pompe de la salle des machines avant pour accéder à toutes les soutes. Sont inondés, Fisher. Il te faut activer la pompe d'urgence pour les vider. Super, quand on ne veut pas se faire repérer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soute? La pompe auxiliaire. Plusieurs compartiments ont été inondés. La pompe devrait permettre de les vider. Merci de ces précisions. Je ne suis pas un révolutionnaire depuis longtemps.
devrais vider les compartiments inondés. Fouille-les et retrouve le bordereau d'expédition collé au conteneur de la Cerda. D'accord. Je parie que le conteneur de transport de la Cerda se trouve dans ce compartiment. Le bordereau d'expédition doit être avec. Je vais regarder. Fisher. On dirait que celui qui a fourni ses armes à la Cerda est passé par une tierce personne. Qui donc ? Mercantil Costa Afuerda Securidad de Panama. La banque offshore ? Et ses banquiers fumeurs de Havane, oui. Génial. J'adore les bureaucrates. Il faut encore récupérer les documents de transit afin que nous sachions avec qui la Cerda a fait affaire. Va voir dans le bureau du bateau. Oui, je le sens.
Peut-être une fuite. Il y en a assez pour provoquer une explosion. Alors pas d'armes à feu dans la salle des moteurs. Génial. Sauf que les ennemis ne doivent pas être assez malins pour s'en rendre compte. Eux risquent de tirer s'ils te voient. Pigé. Je vais me faire le plus discret possible. Calme. Je ne veux surtout pas d'étincelles. Qu'est-ce ? Qui êtes-vous ? Je suis l'inspecteur anti-incendie, et je n'aimerais pas que toi ou tes crétins d'amis ayez l'idée de tirer des coups de feu ici. Pourquoi ? Tu ne sens pas une odeur de gaz ? Si, mais je ne pense pas que c'était dangereux. Imaginons qu'il te faille ranger les munitions dans un endroit sûr, pour éviter les accidents. Tu les mettrais où ? Les gars dorment à bâbord ? Prenez à gauche à l'arrière de la salle des machines. Il y a une caisse pleine d'armes là-bas. Et il y a peut-être d'autres trucs aussi. Je ne sais pas. Je n'utiliserai pas mon arme, c'est promis. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas, mais ça me plaît. Qu'est-ce qu'on fait ? Thank you.
Tu es tout près du bureau, Fisher. Sur ce pont, du côté tribord. J'y trouverai les documents de transit? Oui, du moins, c'est là qu'ils devraient être. Ça ne peut pas faire de mal de regarder... Montre-toi et bats-toi un homme si tu l'oses. Ça va vraiment mal. Bon, ok, ouvrons-la. Montre-toi et sors de là. Tiens le coup, tiens le coup. Qui t'a fait ça? Nakariakov, je n'oublierai pas ce nom. C'est un nom de code utilisé par les trafiquants de drogue philippins pour signaler les livraisons d'armes. Donc, au lieu de noix de Malaisie, la Serda a obtenu des armes expédiées par un russe imaginaire. Exactement. Bon, et si tu retrouvais la Serda maintenant? Le commandant doit savoir où il se trouve. Bonne idée. Va donc lui demander sur le pont. Ah.
Oui, commandant. La barre à 88 degrés, 6 minutes, même vitesse. Bien, commandant. Vous vous dégagez au radar. Dis, t'es au courant? Non. Pourquoi? Encore un truc que t'as lu dans un des déchaînements? Oui. Les Américains disent qu'il va leur falloir lancer une autre navette d'urgence pour sauver les astronautes et la station spatiale. Et alors? C'est même pire que ça. C'est long, eux, les débris de la première navette sont toujours accrochés au milieu de l'avistage. Et l'équipage devrait se rejoindre à la Tu vas bien? Oh non, c'est pas vrai! Il est mort! Pour de vrai, je veux dire. Fisher, faites attention! Ça va devenir impossible si tout le bateau est alerté. Beaucoup de monde ici. Oh non! Oui, et en effet, ça pue dans la cale, alors on vient prendre l'air. Qu'est-ce qu'il y a ici? Juste la salle radio, l'ordinateur et le poste d'observation. C'est tout? Et une échelle menant à la chaloupe du château arrière. Je n'ai rien fait de mal! Restez chez moi! Rien! Merci, mon Dieu!
mais sortez lentement. Où il est allé? C'est pas possible. Et si? J'adore l'odeur de l'océan. Moi, je trouve que ça sent juste le mazout et le vomi. Tu as entendu? Du calme. C'est peut-être rien. Je sais pas. Je sais pas. Je l'ai perdu. C'est à moi. J'ai entendu un truc. Madre mia. Moi aussi. Gardons notre calme, ok?
La Cerda se cache dans les quartiers du commandant. Où est-ce ? Troisième niveau, côté bâbord. Les deux escaliers intérieurs sont le seul moyen d'accéder à ce pont. Qu'est-ce que c'était ? Il y a quelqu'un ? Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais vous avez intérêt à sortir. Aucune trace. Qui l'a ouverte ? Vous êtes un vrai boulet. Mais qu'une alarme de plus. Oh que non. Tout l'équipage est alerté. Sortez de là. Vous n'avez aucune chance. Sortez-vous votre objectif principal et oubliez les autres. Flinguez-moi ce salaud. Couvre-moi. Rendez-vous. Vous n'avez aucune chance. Du calme les gars, tirez pas. Posez votre arme et montrez-vous. Arrêtez de tirer.
Bon sang! Qu'est-ce que c'est? Attendez-moi! Tout au travail, Fischer. Du calme. C'est peut-être. J'informe le chef d'état-major que la Cerda ne constitue plus une menace. Objectifs principaux menés à bien. On procède à l'extraction quand vous voudrez. À couvert! Vite! Qu'est-ce que... Comme quoi, ça peut toujours être pire. Chercher, c'est ça? On dirait un fantôme! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu moi aussi! Passe! Qu'est-ce que c'est que ça?